Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra ronde Aujourd'hui nous recevons l'un des préparateurs physiques les plus respectés du MMA, Nicolas Hott. Comment ça va Nicolas Ça va très bien. Euh, merci de, de me recevoir ici aujourd'hui. Ah bah écoute, c'est nous qui te remercions d'être venus euh, pour parler Way Cutting et décorter l'actualité ensemble. Sébastien Love avec nous également. Bonjour Lucie, bonjour Nicolas. Et donc merci. on va commencer le tour de l'actualité, c'est parti. Allez, la première news, c'était le week-end dernier, le main event du Hares, Amoussou versus Le Lebou. Et oui, donc combat très très attendu. Euh, alors, je peut-être me faire taper sur les doigts. Je n'ai pas vibré, j'ai été un petit peu déçu de ce combat. Peut-être parce que j'attendais vraiment une, une énorme guerre, connaissant les deux combattants, les ayant spikés tous les deux. Je m'attendais à quelque chose d'incroyable pour ces deux, ces deux figures emblématiques du MMA. Non, ce que je retiens de ce combat, c'est ce la fin du combat, en fait, l'attention qu'ils ont eu l'un pour l'autre, le grand respect, c'est ça que je, je retiens. Ouais, ils se sont taquinés avant le voilà. combat, finalement après, ça voilà. se avec une belle accolade et Exactement. beaucoup de respect surtout. Moi j'ai bien aimé le combat. Hein. Ouais, moi je... Ouais, bon. Peut-être que j'avais mis la barre trop hum. peut-être. Nicolas, toi tu t'attendais à cette issue ou pas Donc, on, on le rappelle, c'est Lebou qui s'est imposé. Oui, pardon. Oui. Voilà, on, il s'est imposé. Ouais, moi j'avais parié sur, euh, sur Mika depuis le début. Euh, malgré tout, je, beaucoup de respect pour Karl et beaucoup de respect en tant que combattant. C'est-à-dire que dans, dans, dans cet espace-là, je pensais qu'il pouvait s'imposer aussi. Enfin, qu que ça allait être un combat difficile malgré tout. Euh, contrairement à Sébastien, j'ai apprécié le combat, j'ai apprécié la tension qu'il y avait dès le début. On a senti tout, dès le début beaucoup, beaucoup de tension. Et, et après, moi, je m'attendais par contre à un combat qui allait être moins engagé. Parce que trop tactique, justement Parce que deux mecs qui ont une expérience qui est énorme et qui connaissent chacun les points forts et faibles de l'autre. Et donc, je me suis dit que ça allait être moins engagé. Finalement, ça a été assez engagé. On a vu du sol, on a vu de la lutte. On a vu beaucoup de boxe aussi. Et, euh, et, et moi, j'ai vraiment apprécié le spectacle. Tant, en leader. tant que préparateur physique, moi, j'ai trouvé Karl beaucoup plus fatigué ouais. que Mika. Est ce que c'est ouais. aussi ton ressenti ouais. Eh ben, j'ai eu... Alors, physiquement, ouais. quand tu voyais Karl dès le début, je l'ai vu arriver costaud. Ouais, et il me semble que son préparateur physique là bas, c'est un mec qui vient du body, mm -hmm. donc masse musculaire etc donc ouais. physiquement il était impressionnant mais dès qu'il est remonté du sol j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de stress beaucoup de tension il est arrivé au sol il a bloqué avec ses bras il sont remontés, je l'ai senti extrêmement fatigué ça, ça me rassure, et, ouais. et dans la minute qui suit il tente deux amener au sol qui ne réussit pas uh -huh. et tu le vois super fatigué il finit sur le dos avec Karl qui est presque en crucifix euh, avec Mika qui est Mika, presque ouais. en crucifix et Mika il adore le crucifix et je me suis dit waouh wow, ça, ça va être chaud pour Karl je me suis dit, ouais. Et Mika, à contrario, lui a bien géré son énergie, euh, il a été plutôt régulier sur l'ensemble du combat et c'est ce qui fait la différence peut-être, à la fois l'endurance physique mais aussi mentale L'endurance physique, l'endurance mentale, la capacité à, dans le dernier round, peut-être ne pas s'emballer, ne pas aller chercher une guerre qui pourrait lui porter défaut. On voit que Karl y tente une, un sweep façon judo, euh, Mika il reste bien solide sur les appuis, il contre, il boxe mais sans être trop gourmand sur la boxe parce qu'on sait que la mi-distance c'était le point fort de Karl. Le lendemain du RS, euh, place au Bellator 289 euh, qui nous a proposé un combat de toute beauté, en tout cas de mon point de vue, <laughs> l'un des combats les plus intenses que j'ai vu au Bellator, 5 rounds de 5 minutes franchement, une intensité incroyable entre, euh, entre Sabatello et Stotz, c'était un combat assez, euh, moi que j'ai trouvé très intéressant d'un point de vue physique, toi Nicolas tu t'es ennuyé apparemment je me... <laughs> On est deux. Il On nous l'a dit off. Nous sommes deux. Pardon. Mais euh... le physique est monstrueux quand même. 5 fois 5 en lutte à ce niveau-là pour pouvoir encaisser ça, Stott ah, a quand même encaissé mm -hmm. pour pouvoir encaisser Sabatello en lutte 5 fois 5 minutes. Oui, mais c'est là où justement la perception qu'on a des, des, des combats n'est pas la même. Et effectivement, moi, quand, quand j'ai regardé le, le combat, quand tu, tu m'as dit regarde ce combat-là. Alors peut-être parce qu'en en fait on, on s'attend à voir quelque chose d'incroyable. Alors bien évidemment que physiquement c'est incroyable déjà sur Synchroon et les mecs ils vont euh, c'est intense mais je ne suis pas rentré dans le combat. Mais parce qu'il n'y a pas eu de variété et parce qu'il n'y a pas eu de moitaille, on te connaît. Nicolas <laughs> s'il te plaît, à toi. <laughs> non euh, effectivement l'effort sur la lutte c'est ce que tu vas dire il est très intense. Après ce qu'on sait sur la lutte c'est que be c'est beaucoup de l'efficience. Si tes coudes sont bien fermés, si ta hanche est bien placée, etc. C'est plus du tout le même effort. Et c'est pour ça que souvent... En tant que débutant, sur la lutte, on se fatigue très très rapidement. Ouais. Et quand tu vois le lutteur expérimenté, il est capable de lutter 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes sans se fatiguer. Je pense que là, c'est ce qu'on a eu dans ce combat. Après, moi, contrairement à toi, sur la, vraiment l'aspect physique, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de temps de récupération. Des temps où finalement, ils sont en boxe, il y a un front kick qui est changé, il y a une mise à distance. Et en fait, ça, c'est la vraie récup. Et après, les mecs qui sont capables de repartir effectivement sur les phases de lutte, c'est plus engagé parce qu'il y, y a un gros danger pour celui qui peut se faire amener au sol, dominer, etc. Et puis, il y, y a un gros danger aussi pour celui qui amène au sol s'il se retrouve dans une mauvaise ah, position. Sûr. Alors, le combat s'est clôturé par une victoire sur Split Decision donc de Stott. Très franchement, moi, je voyais trois rounds pour Sabatello. D'ailleurs, il a quitté la cage enragée. Et dans la, saisie, dans la série pardon, des décisions douteuses, l'UFC n'a pas fait exception ce week-end. Non, effectivement, euh, Blachowicz. Alors, je ne sais jamais le prononcer, hein, Blachowicz oui, et puis Ankaraef. Donc, euh, la ceinture était vacante. Hein, le champion l'avait laissé, le tchèque Prochaska a laissé sa ceinture. Donc, euh, ils ont eu la chance de s'affronter pour cette ceinture vacante en, en light heavyweight. Les trois premiers sont pour euh, Blachowicz. Euh, le 4 et 5 pour Anka Laef, euh, voilà. Donc il y a 5 minutes de lutte dans le dernier round. Moi, honnêtement, quand je regarde le combat, je dis ouais, drôle, ça, ça, ça ne m'étonne pas. Encore une fois, il y a eu toute cette polémique. Quand tu regardes le combat, tu dis ouais, bah Dro, ouais, voilà, je tombe pas des nues en fait. Et la polémique concernant Pimblet parce que là, par contre, sur les réseaux, ça a été euh, assez en virulent. Fait, je, 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 je suis taquin. Ouais. <laughs> parce que moi, Pimblet ne m'impressionne pas que ça soit techniquement ou physiquement. Mais, euh, je suis à 10 milieux de, de lui, bien évidemment, mais voilà, il fait son combat. Je suis désolé, mais j'arrête Gordon. Qu'est-ce qu'il propose de plus pour le faire gagner Bah rien, en fait. Donc moi, la décision de Pimblet vainqueur, bah, c'est pareil. Elle ne m'étonne pas. Ça t'a pas choqué Non, vraiment non. Alors en tout cas, euh, les experts considèrent que c'est le pire scoring de l'histoire de l'UFC. C'est en tout cas ce que la planète ouais. MMA dit sur les réseaux. Euh, les juges qui sont mis en cause sont Ron McCarthy et Doug Crosby. Doug Crosby qui était le même juge qui a jugé Sabatello perdant. Oui. Voilà. Donc, bon, ceci explique peut-être cela. On ne sait pas. Euh, la vie humain, en tout cas, est... est... Et toi euh... Tu vois Pimblet <laughs> moi je le voyais pas forcément gagner ouais. voilà. bon, écoute. Je, je pense qu'on a beaucoup de soucis avec euh, les décisions à l'heure actuelle est-ce qu'elles Est qu gens... évoluent pas aussi non mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui comprennent pas les règles actuelles de l'UFC c'est à dire que si tu es sur l'ancien système de scoring où les amener au sol comptait beaucoup effectivement tu vois les combats d'une façon à partir du moment où tu comprends euh, qu'aujourd'hui on juge le grappling effectif, le striking effectif et que c'est l'efficacité de ce que tu fais, c'est-à-dire bloquer par exemple ne remporte pas de points. Ouais, c'est dégâts au au sol, je maintenant. Voilà, emmener au sol sans provoquer de dégâts ne, rem, ne comporte pas de points. Si tu emmènes au sol, mais que celui qui est en dessous, il te met des coups, comme euh, Michael Lebout contre Carla Moussou. Mika, il prend le, le premier round aux yeux de, de, de deux des juges parce que simplement il est plus dangereux sur ce premier round. donc il vaut mieux être dos au sol et euh, faire des dégâts plutôt que d'amener au sol. Il vaut mieux faire des dégâts quoi qu'on fasse. et On moi la, la, la façon dont j'essaye de, de comprendre les décisions, c'est je me dis ok je me dis à l'inverse je me dis c'est pas moi qui ai raison, il y a des spécialistes qui sont jugés qui sont là qui sont le top du top des, des, des juges de, du monde entier. et je regarde si eux ils sont d'accord entre eux. si eux ils sont d'accord je me dis bon Ok, mmh. effectivement, c'est cette façon dont on doit voir le combat. Ouais. Si eux ne sont pas d'accord, là je me dis, ok, peut-être que là, il euh, y a une erreur de l'un ouais. des juges. Mais si eux, il y a trois mecs qui sont spécialistes, ils sont tous d'accord. Eh ben, peut-être que nous on doit essayer de comprendre comment on juge à l'heure actuelle le MMA. Mais ce qui aurait pas un intérêt justement à développer des stages, et ça on devrait en parler avec la fédération à développer des stages d'arbitrage pour les combattants, ne serait-ce mmh. que pour développer peut-être euh, la capacité à être stratégique et dans pourtant, un combat. Il y, y, y a un briefing avant chaque euh, avant chaque euh, Oui, mais ça reste et... quand même et... à, ça reste léger quand même. Ça, reste ouais, très ça léger. rentre quand même moi encore pour avoir expliqué là en Belgique le week-end, euh, l'arbitre il, il il a pris son temps le, le briefing il dure au moins 45 minutes. Mmh. Donc euh, voilà, il explique vraiment les règles. Et moi, ça m'a permis aussi de. C'est pour ça que Pimblett, ça, oui, ça, ça ne m'étonne pas, pas, finalement, comme disait Nico. C'est vrai que les arbitres sont là et nous, on a notre façon de voir, mais il y a le corps arbitral. Eux, ils savent ce qu'il faut juger. Alors, on va parler d'un autre parcours singulier. C'est le tien. Nicolas, tu es notre invité Spotlight. Nicolas, on te connaît surtout en tant que préparateur physique à l'heure actuelle, mais tu as un parcours de combattant derrière toi. Tu as fait l'IMAF. Tu avais été sur le podium à l'IMAF Oui. Oui, ouais, hein, tu avais été sur le podium à l'IMAF. Euh, tu t'es aussi produit au BAMA, le BAMA ouais. qui était une organisation majeure en Europe oui. il y a quelques années. Ils se sont arrêtés d'ailleurs Ils se sont arrêtés. Ils ont été le Bellator Europe aujourd'hui. C'est tout le staff du BAMA mmh, de, de l'époque. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est Samuel Jude, exactement. Samuel Jude. Tout à fait. Alors aujourd'hui, tu te consacres pleinement à la préparation physique. Pourquoi avoir arrêté le combat euh, – Bon, simplement, je n'étais pas un combattant exceptionnel. – Bon, n'importe quoi. Je ouais, <laughs> ne pas du... à dire non, ça de toi. – Il est, <laughs> il est, il est Attends, ouais. c'est un spécialiste de guillotine. Il est vraiment humble. – Et puis en plus, jeune. – ouais euh, je, pas si jeune que ça, en fait. J'ai arrêté à 33, 33, 34. – Jeune. – Voilà, <laughs> bon, pas, pas vieux, pas jeune, mais… Voilà, je pas vieux du tout? <rire> <rire> voilà, ça dépend sur quoi on compare. Non, je n'étais pas exceptionnel. J'étais pas mal sur ces orgas là le Bama, le Cage Warrior. J'ai fait après le Bama. Euh, donc, j'étais pas mal, J'étais pas fabuleux. Je pense que je n'aurais pas pu être dans le top, top. Et puis euh, d'un autre côté, bah, euh, j'étais pas mal sur l'entraînement, sur la préparation physique, c'était déjà prenant, j'avais déjà beaucoup de travail là-dessus. Et donc à un moment, j'ai fait un choix qui a été de un me consacrer plus, euh, rationnel en fin de compte, un choix rationnel, ouais. hein, de, me, de me consacrer plus à l'entraînement, à la préparation physique, à la nutrition, que, euh, que à ma carrière de combattant. Parce que tu ne croyais pas en ton potentiel de combattant Parce que euh, je, je, si je mesurais l'investissement euh, du côté du combattant et les potentiels retombés. Et l'investissement du côté de, de, de l'entraînement, de la préparation physique, de la, de la nutrition et les potentiels retombés, j'avais l'impression que d'un autre côté, je pouvais aller plus loin et plus haut. Mmh. Mmh. Alors tu es devenu préparateur physique avant euh, le MMA. Tu as également fait tes études, ta formation aux États-Unis. Ouais, j'ai terminé ma formation aux États-Unis. Tu as terminé ta formation. et Est-ce que ça a été une vraie valeur ajoutée pour toi Est-ce qu'on peut comparer un petit peu le système français, le système américain, en termes de formation C'était un game changer. C'est vrai Alors, Oui, réellement. Pourquoi le système est totalement différent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu n'es pas en cours pour apprendre du professeur. Tu apprends, on te donne plein d'ouvrages à lire, on te donne plein de choses à lire. Et ensuite, quand tu viens en cours, tu discutes avec le professeur et les autres étudiants. Tu discutes de ce que tu as lu de ton côté. Donc, tu as énormément de travail personnel. Et quand tu viens en cours, tu viens pour échanger avec d'autres presque professionnels qui vont discuter. Les profs ne sont pas des profs de carrière. Les profs sont souvent des gens qui, qui exercent dans la profession, qui sont très compétents et qui vont pouvoir donner un retour sur la profession. Et puis, euh, dernier point, moi quand j'ai terminé euh, mes études là-bas, j'ai fait mon stage là-bas, donc j'ai fait six mois à ce qu'on appelait le, le Fitness Institute of Texas. Et donc c'était un, un institut... Tout, que des doctorants, doctorants en physiologie, en nutrition, etc., etc. Et dedans, on avait des athlètes de très très haut niveau qui passaient régulièrement, avec des gros moyens techniques. Et on avait aussi des gens lambda qui voulaient perdre du poids, etc. Et donc, on, pendant six mois, j'ai vraiment pu comparer, mais avec des données très précises, euh, que ce soit la souplesse, la force, l'endurance, euh, le, la composition corporelle, de plein, plein de gens. Et donc, j'ai vraiment pu apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et puis après, le dernier point. C'est qu'effectivement, bah, sur la préparation physique, sur la nutrition, le contenu développé aux États-Unis, il est beaucoup plus important que celui qu'on a en France. Ouais. Mais comment, ça se fait comment on l'explique ça bah, On l'explique qu'ils ont, ont une histoire, ils ont une tradition de la préparation physique qui est énorme. D accord. D accord. Et donc en fait... Comme c'est énorme, pendant des années, et des années, il y a eu des professionnels et puis la discipline s'est développée comme, comme elle est. Ouais, comme, le est MMA, en fait. Ouais. comme le MMA en fait. Comme le MMA. D'accord. Et donc le, le nombre d'ouvrages, de contenus, de podcasts, de et formations qu'il y a aux États-Unis est beaucoup plus riche. D'accord. Et donc euh, bah forcément, euh, comme c'est plus riche, il y a plus de concurrence, donc la qualité s'améliore, etc., etc. Alors aujourd'hui, tu as mixé ces deux univers, donc le combat, la préparation physique. On te dit spécialisé dans les sports de combat, mais ça c'est une volonté ou ça s'est fait naturellement par la force des choses Oui, c'est une vraie volonté. Ah, c'est une vraie volonté Oui, parce que quand. Euh, donc j'ai travaillé six ans au CREPS, île de france mm -hmm. J'ai travaillé avec plein plein de sports, le basket, le volet, euh, à, à haut niveau, le cyclisme, etc. etc. Et euh, quand j'ai arrêté le CREPS l'année dernière, j'ai décidé de me consacrer. Déjà, je me consacrais beaucoup beaucoup au sport de combat, mais j'ai décidé de me consacrer uniquement au sport de combat. Et en fait, c'est une histoire de compétence, premièrement. C'est-à-dire que je pense que je suis plus compétent sur les sports de combat que sur les autres disciplines. Parce que tu l'as vécu de l'intérieur Parce que je l'ai vécu de l'intérieur, parce que je connais les différentes facettes du, du, du combat. Et euh, au-delà de la compétence, c'est aussi euh, l'amour de la discipline. Ouais. C'est-à-dire que j'ai travaillé, par exemple, avec des footballeurs professionnels. J'ai pas un amour pour la discipline, pas un, 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 ça m'ennuie rapidement. Les sports de combat, c'est vraiment mon truc. Et comme je prends beaucoup de plaisir, je suis passionné, je fais du mmh. bon boulot, enfin j'essaie de faire du bon boulot. Et donc euh, et, voilà, c'est comme ça qu'on fait bien les choses. Est-ce que ce n'est pas aussi par rapport à l'aspect un petit peu euh, holistique de la chose, ce sont tes mots, tu les as déjà mmh. utilisés, euh, mmh. le fait d'avoir une compréhension globale, tu peux aussi intervenir dans la stratégie, tu peux mmh. intervenir sur la technique, tu ne t'arrêtes pas seulement à la préparation physique, il y a cette dimension-là qui c est te plaît aussi oui, c'est ça. Bah, euh, en tout cas, dans la compétence, je pense que le fait d'avoir les différentes casquettes, ça mmh. permet de se dire, OK, là, pour cette athlète-là, mmh. elle pense que c'est un problème de préparation physique, mais en vrai, c'est un problème d'entraînement et d'utilisation des mauvaises techniques. Et donc, tu peux, euh, tu peux avoir un regard encore plus avancé. Ouais. Euh, sur la chose, tu vois, comme, comme on parlait de Karl Amoussou tout oui. à l'heure, est-ce ben, que finalement c'est que la préparation physique ou est-ce que c'est aussi le stress qu'il avait pendant le combat Est-ce que c'est les choix tactiques qu'il a fait de s'enfermer dans la garde, de fermer les bras, etc. Et donc tu peux avoir un regard un peu plus euh, holistique, comme tu dis, et juste euh, cibler précisément du coup où est le problème. Aujourd'hui, il ne te manque que la casquette de préparateur mental, en fait. Ouais. <laughs> oui. Euh. Va, ouais. Et encore, ah, il va nous dire, dire la... qu'il a fait une formation aux États-Unis. Non mais l'un ne va pas sans l'autre finalement. En, que que ai la... fait, en vrai, j'ai fait des formations. Ah, Tu vois, je te l'avais dit. <laughs> pas aux États-Unis, à l'INSEP, <laughs> à l'INSEP et au CREPS. Euh, j'ai l'impression que la préparation mentale, mais c'est le cas aussi de d'autres facteurs. La préparation physique, elle est inclue dans l'entraînement. J'ai l'impression que la préparation mentale, elle est aussi beaucoup inclue dans l'entraînement. J'aime travailler avec certains préparateurs mentaux. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une heure de travail en préparation mentale qui va occulter 10 heures de travail en préparation physique à l'entraînement, etc. Et donc je pense qu'il y a un travail de tous les jours à l'entraînement, on le fait, quand tu viens à la salle, on le fait au quotidien, où il faut mettre en place des bonnes habitudes à l'entraînement pour faire en sorte que mentalement, tu sois bien conditionné. En MMA, il euh, y a deux profils, en général, on va dire les strikers et les sports de préhension. Est-ce que tu vas leur faire faire le même travail physique ou tu vas adapter, tu vas individualiser non, Je vais adapter. Tu vas adapter ouais. Je prends un exemple simple. Si on parle de développement cardiovasculaire, j'ai tendance à dire que pour les sports de percussion, la course à pied, c'est un outil qui est très intéressant. Il y a beaucoup de vélocité. Tu as une VO 2 max. Ce qu'il faut savoir, c'est que les boxeurs, les, les karatékas euh, ont, ont une VO 2 max qui est bien supérieure à celle des lutteurs. On pense que les lutteurs, c'est très fatigant. En réalité, la VO2 max d'un lutteur, elle est autour de 50-55. La VO2 max d'un boxeur ou d'un karatéka, elle peut monter à 60 et plus. Le MMA, qui est un sport mixte, il est situé entre les deux. Ouais, okay. Et donc, intéressant. pour les strikers, j'aime beaucoup utiliser euh, ce qui est course à pied, ce qui est à haute vélo vélocité, ce qui fait monter le cœur très haut. Pour les lutteurs, j'aime plus utiliser bah, le rameur, l'assaut bike, etc. Et quand on, quand on est dans le contexte du MMA, on peut mixer les deux. Et on peut mixer avec des, des prévalences quand même. C'est-à-dire que Lucie Berthaud, qui va boxer et qui va lutter à certains moments, mais qui va lutter moins qu'elle va boxer, peut-être en tout cas dans certains combats, peut-être qu'on va lui faire faire un peu plus de course à pied et un petit peu moins de, de rameur. Si on a Ramzan, il va être beaucoup plus sur du rameur, sur, la, sur, sur de la barre de traction, sur l'endurance musculaire mmh, où il va serrer fort des objets et un petit peu moins sur le développement du striking. Mais, mais justement, un striker, par définition, va être un peu plus faible sur ces zones-là, ce qui n'a pas intérêt à doublement travailler ces zones-là. Alors c'est une bonne question, c'est est-ce qu'on est loin du combat, est-ce qu'on est près du combat, ah. est-ce qu'on mise sur les points forts, est-ce qu'on mise sur les points faibles. La logique générale de ça, c'est loin du combat, je peux miser sur les points faibles, développer les points faibles. Près du combat, je veux miser sur les points forts. Mmh. Et mettre l'accent sur les points intéressant. forts. Intéressant. Et la, la, la nutrition est absolument indissociable de la préparation physique. La tu, fais, tu fais les deux. Tu ne peux pas dire à un athlète Tiens, tu, vas, tu vas me faire cette prépa physique, mais je ne m'occupe pas de ta, de si ta nutrition. Si je peux, je peux le dire, je peux le faire. Euh, maintenant, je vais toujours avoir un petit regard dessus, ouais. mais je peux le dire, je peux le faire. Ça, Mais ça, tu, tu, tu délègues alors toi tu te je délègue et, et en réalité le, la nutrition c'est un truc qui prend énormément de temps c'est de tous les facteurs c'est presque le facteur qui prend le plus de temps parce que la réalité de la nutrition c'est qu'il suffit pas de la nutrition c'est pas il suffit pas de donner le conseil oui oui. Il faut appliquer le conseil. Et appliquer le conseil, c'est créer des nouvelles habitudes. Et en fait, le vrai travail de la nutrition, c'est la gestion psychologique de la création d'habitudes qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Mais du coup, tu es, es obligé, toi, par exemple, quand, quand tu fais une prépa physique, ouais. tu dois savoir ce que mange ton athlète. Donc, tu es forcément. Et... C'est pour ça que j'ai du mal à me dire, mais il ne peut pas déléguer la partie nutrition, puisque tu as un programme physique, tu, les, les deux doivent s'associer forcément. En fait, tu dois. Tu dois quels sont les facteurs qui sont les plus importants sur la nutrition par rapport à une préparation physique Est-ce qu'on est en régime hypocalorique, isocalorique, hypercalorique C'est-à-dire, en français, est-ce que je suis en train de prendre du poids Est-ce que je reste au même poids Ou est-ce que je suis en déficit calorique Ça, ça va induire le niveau de fatigue qu'on va avoir. Ensuite, deuxième facteur qui va être prédominant, quelle est la quantité de protéines associée à, cette, à, ce, à ce régime Est-ce que j'ai suffisamment de protéines pour récupérer et pour créer du muscle ou pas et troisième facteur, est-ce que, parce que nous, c'est notre problème principal dans les sports de combat, des gens qui sont hors forme, hors poids, qui sont très très loin de leur poids de forme, et donc dès qu'ils veulent commencer à perdre du poids, ils coupent totalement les glucides, enfin mmh. globalement ils coupent les féculents, et donc ils perdent 2-3 kilos très très rapidement, et ensuite ils ont une énorme fatigue, le poids stagne, et ils n'arrivent plus à récupérer. Et là, comme tu le dis, effectivement, si j'ai un athlète qui a fait un mauvais choix, sur le plan nutritionnel, qui est en déficit calorique, en ayant coupé tout, tous les glucides, effectivement, moi, en préparation physique. C'est ça, je vais rien bon pouvoir retirer. Ouais. Voilà. Donc j'ai besoin de ces ouais, quelques de informations, ça, ces informations ouais. quand même. Voilà. Ils sont hyper importants. Alors la perte de poids, hyper... on va y revenir dans un instant. Dernière question sur la préparation ouais. physique Est-ce que faire une quantité de sparring euh, mm -hmm. peut suffire à travailler un cardio si on, si on ne court pas, si on ne fait pas de fractionné au sac, etc., simplement faire du sparring. Pour gagner en cardio, est-ce que ça, ça peut faire l'affaire Tu parles pour toi, là aussi Non, je combler. parle pour Non, c'est une question <laughs> générale. Non, c'est une question qu'on m'a posée. Mais oui, je la pose parce qu'elle <laughs> m'intéresse. Ça dépend de ton mais niveau. j'ai à mon avis. <laughs> ça dépend de ton niveau. Si, quand on est débutant, tu es débutant, tu hors forme. Tu commences les sports de combat. En pratiquant les sports de combat, tu vas devenir plus musclé et tu vas développer tes fonctions cardiovasculaires. Le volume de ton corps, de ton cœur, pardon, euh, les capillaires sanguins, la façon dans laquelle le, le, le muscle va s'oxygéner, etc., etc. Donc tu vas le faire juste en faisant ton sport. Au bout d'un certain moment, tu deviens bon. Et quand tu deviens bon, chaque geste que tu fais dans le sport te coûte moins d'énergie. Et comme il te coûte moins d'énergie, tu as tendance à aller chercher ailleurs, cette dépense énergétique, si tu veux continuer à augmenter ton potentiel énergétique. Et donc, par exemple, quand je discutais avec Mika sur son combat contre Karl, lui me disait, ce qui est très fatigant pour moi, c'est la préparation physique. Mmh. Finalement, dans le sparring, j'ai tellement d'expérience et de gestion de mon sparring, de mon énergie, des techniques que j'utilise, que je suis jamais vraiment très fatigué. Ouais, Alors que sur un ergocycle, je peux repousser la limite de ma fatigue. Et donc, ce qu'il faut comprendre, moi c'est comme ça que je le présente, on a un, d'un côté, le potentiel énergétique, c'est-à-dire est-ce que j'ai une Twingo, est-ce que j'ai une Mercedes, est-ce que j'ai une Lamborghini Donc ça, c'est ce qu'on développe dans la préparation physique. Et de l'autre, on a quel est le pilote Et ça, ce qu'on fait dans le combat, c'est développer un bon pilote. On a des combattants, que tu, des mecs qui n'ont pas de, je veux, je veux pas citer de nom, mais des mecs qui performent très bien en combat. Qui se fatiguent jamais en combat, si tu les mets sur un tapis de course, ouais, ils vont, ils, ils vont, ça va être très compliqué pour eux. Alors, regarde Colanta, <laughs> j'en suis la preuve vivante. En... <laughs> mais, mais parce que dans leur combat, ils sont jamais mis en situation de difficulté. Ouais. Lorsque Cyril Gann affronte euh, Francis, mm -hmm. on disait Cyril Gann, le cardio incroyable, le cardio incroyable, etc. Moi je disais, attention, on n'a pas vu le cardio de Cyril Gann. Le jour où il affronté Francis, on a dit, il n'avait pas de cardio, comment ça se fait Francis l'a amené en eau trouble. Et c'est là qu'on voit effectivement le développement cardiovasculaire, s'il était aussi bien que ça, ou si finalement, si Cyril Gagne, il avait beaucoup travaillé le cardio à côté, peut-être qu'à ce moment-là, il aurait pu un peu plus euh, mettre ouais. l'accent sur, sur, sur ces phases de combat qui étaient inattendues. Alors, ton autre spécialité, tu l'as déjà un petit peu amorcé Sébastien, c'est la perte de poids et plus particulièrement le wake cutting. Euh, le wake cutting, c'est un sujet euh, qui est très fantasmé. Est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo les grandes étapes Alors, les grandes, la première grande étape du, du weight cut, c'est le régime. C'est-à-dire que avant de… C'est la grosse problématique du weight cutting, c'est que et nous, on a, on, a, on a subi ça en tant que combattant et, et, et parfois en tant que coach, c'est que nous, on pensait que le weight cut, c'était le bain. Voilà, on, on pensait que ça s'arrêtait à l'hyperthermie. Mettre son corps dans une version où il a tellement chaud qu'il transpire et puis ensuite, ça, c'était pour nous le weight cut. Weight cut, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est le régime. C'est-à-dire que, effectivement, j'étais pas à un pourcentage de masse grasse qui était euh, propice au combat. J'étais un petit peu trop élevé et je vais faire descendre ce niveau de masse grasse au fur et à mesure du camp d'entraînement. Le but, c'est que le camp d'entraînement soit un fight camp, non pas un fat camp. Il ne faut pas que ce soit un moment où je me concentre uniquement sur la perte de graisse. Donc, normalement, si je suis un combattant professionnel qui se respecte, pas la padi je ne dois pas monter trop haut en termes de graisse. Comme ça, pendant le camp, j'ai de l'énergie pour bien m'entraîner. Donc, pendant le camp, on fait un régime, mais normalement, un bon régime, c'est je perds maximum 1% de mon poids de corps par semaine. Donc, si je fais 70 kg, je perds 700 grammes par semaine, c'est raisonnable. Si je perds plus vite que ça, certainement que dans cette perte, je vais associer une certaine perte de muscle, et ça, ce n'est pas idéal. Donc, ça, c'est la phase de régime. Ensuite, une semaine à 10 jours avant, je rentre dans la phase de préparation. Au weight cut, je vais mettre en place les conditions pour que le jour où je fais, fais l'hyperthermie, je puisse bien transpirer. Donc, quelles sont les, les, les conditions qui vont permettre ça Un, la surhydratation. Je vais boire plus que ce que je bois d'habitude. Deux, la, dé, la déplétion des réserves de sodium. Donc, en fait, le sodium, le, le, sel, le sel, met euh, l'eau à l'intérieur des cellules. Donc, il y a un moment propice à enlever le sodium. Il ne faut pas l'enlever trop tôt. Parce que si tu l'enlèves trop tôt, le corps capte qu'il n'y a plus de sodium. Or, le sodium est tellement important qu'il va empêcher la sudation, il va empêcher d'enlever plus de sodium. Donc, il ne faut pas l'enlever trop tôt, il ne faut pas l'enlever trop tard non plus, parce que sinon, il retient euh, l'eau qui, qui est détenue dans les cellules. Et puis, il y a la phase de départition des réserves de glycogène. Glycogène, c'est le sucre qui est stocké dans le muscle. Plus on a de muscles, plus on a de réserves de glycogène. Ce sucre-là, pour chaque gramme de glycogène, il y a 3-4 grammes d'eau qui sont rattachés à ce gramme de glycogène. Et donc, ce qu'on veut à un certain moment, c'est enlever ses réserves de glycogène, souvent dans la Fight Week, parce que c'est là où on en a le moins besoin de ces réserves de glycogène, enlever ses réserves de sucre pour enlever l'eau plus facilement. Et puis ensuite, on a cette phase d'hyperthermie, qui doit être le plus court possible, qui doit être le moins chaud possible. Hein, on a, sur ça, on a vu beaucoup de folies aussi. On a fait des folies, on a testé nous-mêmes des folies où le bain était trop chaud, où le sauna était trop chaud, et du coup, on perd perdait plus de poids, où on avait trop chaud, où on tombait dans. etc. etc. Donc, il faut être très intelligent là-dessus. Il faut créer une sudation. Mais il n'y a pas besoin d'être trop chaud. Il ne faut pas la créer trop tôt, il ne faut pas la créer trop tard. Donc là, il y a tout un protocole. Et là, il y a beaucoup… De... L'expérience permet de… C'est comme pour la préparation physique. Je dis, il y a la science de la préparation physique, il y a l'art de la préparation physique. L'art, c'est ce qu'on va sentir avec les années d'expérience ouais. à avoir ouais. connu des gens qui transpiraient, comment ils transpiraient. Et puis, après… Si je fais 10 cuttings avec Lucie, je commence à connaître précisément Lucie, comment elle, comment elle est, ouais, réagit au cutting. Va. Je sais que Lucie réagit comme ça, Mehdi Bengladar réagit comme ça. Attention aux hormones féminines, hein. attention <laughs> on, on ne fonctionne pas féminine, comme tout le ouais. monde. Il y a tellement de paramètres à tu prendre. Vois compte. Et ouais. chacun ouais. a son. Damien Lapilus. Ouais. Damien, c'est un mec qui fait un sauna par semaine. Bah, Damien, quand tu le mets au sauna, quand tu le mets au bain. Ouais. Oui, voilà. Ouais, ouais. Et tu mets une musique, ouais. il est tranquille. C'est un bon moment pour lui. Alors, d'où l'importance de ne surtout pas faire un weight cutting tout seul Parce que ça jamais, peut, être, ça peut jamais, être très dangereux. Jamais de la vie. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est ouais. quelque chose qui doit être encadré par des professionnels. Et si je peux me permettre un, un dernier point qui est super important, Lucie, le weight cut doit être réservé aux professionnels. Si vous êtes un combattant amateur, vous prenez votre poids, vous enlevez 2 kilos. C'est votre catégorie de compétition. Vous devez passer des camps d'entraînement à vous entraîner, à augmenter votre niveau technique, tactique, physique. Mais en aucun cas, vous devez passer votre temps à perdre du poids. Et c'est ce qu'on voit malheureusement. C'est ce qu'on voit voyez, malheureusement. C'est incroyable. Trop souvent. Oh là là. Alors, dernière question avant de conclure ce chapitre White -cutting qui est franchement très intéressant. Quid euh, du jeûne du ramadan par exemple Quelqu'un qui prépare un combat et qui a le jeûne du ramadan pendant, son pré pendant sa préparation. Comment il doit gérer j'ai une, euh, je vais pas dire une très mauvaise expérience, mais on avait accepté avec Wissem le combat euh, à Arès, justement, pendant le jeûne euh, du ramadan. Au, dé, au départ, on, on avait convenu de ne pas faire le jeûne à ce moment-là, euh, pendant la dernière semaine en tout cas, de, de, de ne pas procéder au jeûne. Et puis finalement, pour des raisons de, de, de croyances religieuse... Il avait quand même fait le ramadan finalement Wissem avait décidé ouais, de faire... Le jour du combat y compris Toute la semaine euh, de la Fight Week. Mm -hmm. Le, la veille du combat et le jour du combat aussi. Alors, du coup, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à refuser peut-être les combats dans cette période qui est très compliquée Aujourd'hui, si c'était à refaire, c'est un combat que j'aurais refusé. Vrai. Euh, et, et quand l'occasion va se présenter à nouveau, parce que ça se présente chaque année, c'est quelque chose que je vais refuser parce qu'il vaut mieux finalement retarder un combat de un mois, deux mois, trois mois mmh. et faire un combat dans les meilleures conditions possibles plutôt que prendre un combat dans une période aussi difficile, euh, qui ne, qui ne... le MMA, ce n'est pas le foot. On a vu beaucoup de footeux qui performaient pendant le ramadan. Le MMA, ce n'est pas le foot. Ouais, l'incidence d'une défaite en MMA, ce n'est pas l'incidence d'une défaite dans le foot. Le foot est un sport collectif, le MMA est un sport individuel. Je pense que le risque est trop grand pour, et qu'il n'en vaut pas la chandelle et que 99,9% du temps, on a des occasions de performer en dehors de cette phase du ramadan. Et donc, si on peut le faire... Pourquoi ne pas le faire Alors, le jour du combat, euh, d'accord, mais dans une préparation, mmh. moi, je, je vois à ma salle, hein, j'ai énormément euh, de combattants qui, qui font le jeûne, qui font leur camp, et ça se passe plutôt bien Enfin, mmh. juste l'entraînement mmh. Au moins l'entraînement, il n'y a pas de problème. S'entraîner, il n'y a pas de problème. En fait, ils, ont am, ils aménagent. Ils, parfois, vrai. ils s'entraînent après avoir mangé, par exemple, tard la nuit, s'il y a un aménagement. S'entraîner, mmh. euh, c'est ce que je recommande. Mais moi, ce que je recommande sur le jeûne du ramadan, mmh. euh, pour, sur la période du jeûne, c'est de s'entraîner effectivement, mais s'entraîner pas dans une optique de progression, dans une optique de stabilisation. Ouais, D'entretien. D'entretien. Ouais. Et finalement, quand tu vises l'entretien, tu n'as pas besoin de faire autant de séances, tu n'as pas besoin de mettre autant d'intensité, tu as juste besoin de venir et de travailler. Voilà, ça, ça suffit à entretenir. Développer, ça demande beaucoup plus d'énergie et de ressources. Je recommande pendant cette période de stabiliser, de pas développer. Très bien. Et là, il y, y a les fêtes, hein, justement, de fin d'année. On va faire attention à ce qu'on mange, hein, parce que ça joue dans l'assiette, la perte de poids, avant tout. Juste, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai une question. On a plus du tout de temps, même. En fait, c'est fini. C'est difficile <laughs> un, un, pour des combattants. Est-ce que tu as des combattants végétariens et végans Est-ce que ça change énormément Moi, je suis végétarien. Ouais. Donc, euh, je sais que c'est difficile. J'en parle des fois Tu donneras observer. ta carte vitale à la fin de la... <laughs> émission, hein alors, j'ai des combattants change. végétariens végans. J'ai un ami. Qui est spécialiste, ouais. euh, qui est lui-même athlète de CrossFit, ouais. qui est un des rares Français euh, à avoir euh, fait les CrossFit Games, ouais. et qui est euh, végétarien depuis des années. Ouais. J'essaye au maximum de les orienter, de les orienter vers cette personne, ouais. euh, Shakir, il se reconnaîtra, ouais. euh, qui fait un excellent travail et qui connaît les ficelles. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, j'aime beaucoup le fait d'avoir fait quelque chose. Pour pouvoir le conseiller. C'est ce, ce que j'essaie de faire en tant que combattant, que préparateur physique, nutritionniste. Tout ce que j'enseigne, je l'ai vécu moi-même. Et comme moi-même, je ne suis pas vegan et végétarien, il y a plein de conseils que je ne vais pas avoir. Oui, okay. Et donc, je préfère orienter vers quelqu'un qui est extrêmement qualifié là-dessus, plutôt que de prendre en charge, en tout cas pour le haut niveau, plutôt que de prendre en charge moi-même des personnes euh, pour qui je vais pas avoir les meilleurs conseils possibles. Et voilà, tu l'as ta petite recommandation. Non, mais vraiment c'est je pourrais du coup c'est hyper intéressant. C'est très intéressant, tellement voilà. intéressant. Et bien que du coup on va se <laughs> quitter <porter rire> parce qu'on n'a plus le temps pour le preview. Merci dommage. beaucoup y a pour quoi la discussion. après Parce qu'on peut sauter. <laughs> on peut Merci beaucoup Nicolas, c'était vraiment hyper intéressant. On se retrouve eh bien, la semaine prochaine pour le best of les meilleurs moments de la saison. Et puis euh, à bientôt ah bah à pour bientôt. de nouvelles aventures. Allez, <laughs> à bonne soirée à tous. Bye bye.